Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième session sur les bachelors en école de commerce. On se retrouve pour notre salon évidemment étudier en France après une scolarité à l'étranger. On est en live, donc n'hésitez pas à poser vos questions aux écoles qui seront présentes aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec notre première école et on a le plaisir d'accueillir Julie Pinon de l'ESSEC Business School. Bonjour Julie et je te passe tout de suite la parole pour présenter un peu les programmes. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Julie Pinon, je représente l'ESSEC Business School en Amérique du Nord et je vais faire une présentation pour le programme Bachelor, donc le Global BBA de l'ESSEC. Alors, je vais commencer avec quelques mots en général sur l'école, tout d'abord, avant de présenter le programme Bachelor. Donc, comme vous le savez sûrement, l'ESSEC Business School est une école française qui a été créée en 1907. On est aujourd'hui une école monde. Puisqu'on a 4 campus sur 3 continents différents. Donc, on a 2 campus en France, en région parisienne, 1 campus à Singapour, en Asie, et 1 campus sur le continent africain, au Maroc. Donc, à l'ESSEC, pour donner quelques chiffres, on a environ 7 000 étudiants, un peu plus de 7 000 étudiants en formation initiale, et on a un réseau de 62 000 alumni à travers le monde. Donc, on dit aussi que c'est une école monde, puisqu'on a de plus en plus d'étudiants internationaux. Donc aujourd'hui, on a à peu près 39% d'étudiants internationaux sur le campus, avec 102 nationalités représentées. Et forcément, dans les programmes en anglais, on a encore plus d'étudiants internationaux. Et avant de passer au programme Bachelor, je voulais juste revenir un petit peu sur les classements. Donc l'ESSEC est aussi une école, et nos différents programmes sont aussi classés parmi les meilleurs en Europe et dans le monde. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran les derniers classements sur le Financial Times pour nos masters, par exemple. Alors, on va vite passer au programme Global BBA, donc au bachelor. Comme je le disais, comme on est une école maintenant multi-campus, le programme peut être suivi soit sur le campus en France, à Cergy, sur le campus à Singapour ou sur le campus en Afrique, au Maroc. Et donc, le bachelor Global BBA de l'ESSEC, qu'est-ce que c'est? C'est donc un programme en 4 ans qui peut être suivi soit en français ou soit en anglais. Vraiment, il y a le choix lorsqu'on candidate. Et il se base sur 3 piliers essentiels, donc l'excellence académique, la professionnalisation et également l'internationalisation. Donc, l'excellence académique, le programme bachelor est classé parmi les meilleurs en France. Donc, il est notamment premier sur le classement du POINT. Il est le premier bachelor post-bac en 4 ans sur le classement de l'OBS. Et on est aussi l'école avec un programme post-bac en 4 ans qui a reçu le plus de vœux, le plus de demandes sur Parcoursup. Donc, ça, c'est une petite présentation pour la partie académique. Pour la partie professionnelle, donc, il y a également un minimum en fait de prérequis, donc il y a un minimum de 10 mois d'expérience professionnelle afin de valider le programme. Ça peut aller jusqu'à 16 mois si l'étudiant fait le choix de l'apprentissage, donc je vais y revenir juste après. Et pour la partie internationale, là encore, c'est vraiment au cœur du programme puisque c'est vraiment un Global BBA, donc un programme international. Chaque étudiant doit passer au minimum 6 mois en dehors de son campus d'origine. Ça peut même être beaucoup plus, on va voir toutes les différentes possibilités. Alors, concernant donc le cursus et vraiment la partie académique, donc le Global BBA de l'ESSEC, c'est un programme général, généraliste, où les étudiants vont acquérir les fondamentaux du management. Donc, durant les 2 premières années, il y aura vraiment des cours obligatoires, en fait, des fondamentaux. Et durant les 2 dernières années, il y aura beaucoup plus de flexibilité avec là un catalogue de cours et les étudiants vont pouvoir choisir leurs cours. Il y a également 3 langues étrangères à suivre durant le programme. Alors, pour vous donner une petite idée sur la structure du programme, c'est un programme en 4 ans, on le divise en 2. Donc, on a ce qu'on appelle le cycle 1, où les étudiants font les 2 premières années de tronc commun, avec vraiment les cours fondamentaux, on va dire. Donc, soit en français, soit en anglais, soit en France, soit à Singapour. Dans tous les cas, il y aura un stage de 3 mois à la fin de la première année. En 2e année, les étudiants peuvent échanger de campus s'ils le souhaitent, mais ce n'est pas obligatoire. Et à la fin de la 2e année, il y aura un stage de 1 mois, obligatoire aussi. Et enfin, la 2e partie du programme, c'est ce qu'on appelle le cycle 2, donc l'année 3 et 4, où là, il y a une grande diversité en termes d'options. Donc ça, c'est chaque étudiant qui va vraiment aménager son cursus comme il le souhaite. Ça peut être un échange, ça peut être un double diplôme,
Ça peut être l'apprentissage, par exemple. Dans tous les cas, il y aura au moins 6 mois de stage de fin d'études à réaliser durant ces 2 dernières années. Donc, juste un petit mot sur l'apprentissage, puisqu'il est possible à l'ESSEC de faire l'apprentissage en 3e et en 4e année. Donc, l'apprentissage, ça veut dire que l'étudiant va vraiment alterner entre ses cours à l'ESSEC et un apprentissage donc, dans une entreprise, donc durant les deux dernières années. Et dans ce cas-là, c'est aussi une solution, un moyen pour pouvoir financer ses études, puisque l'entreprise, va payer les frais de scolarité durant les 2 dernières années. Donc là, vous avez quelques exemples sur l'écran d'entreprises où nos étudiants ont fait leur apprentissage ces dernières années. Et enfin, donc, je vais parler brièvement aussi de toutes les possibilités durant les années 3 et 4. Chaque étudiant doit partir à l'international au moins 6 mois, mais ça peut également être beaucoup plus. On a par exemple des tracks internationaux. Donc on en a un avec aux États-Unis avec University of South Carolina, spécialisé en Responsible International Leadership, qui permet aux étudiants de passer 1 an dans l'université partenaire. On a également un track spécialisé avec UC Berkeley, UC Berkeley Extension, spécialisé en Innovation Management, qui permet également de passer 1 an dans l'université partenaire, puis de finaliser par le stage de fin d'études aux États-Unis. Donc ça, c'est pour les 2 tracks vraiment en lien avec les États-Unis. Et enfin, on a aussi un track vraiment spécifique, très international, pour les étudiants qui ont un petit peu ce profil, qui leur permet en fait de passer un semestre dans 3 universités différentes. Donc, c'est un partenariat que nous avons avec 3 universités, donc Mannheim Business School, University of South Carolina et aussi la FGV au Brésil. Donc, ça permet voilà, de faire vraiment un semestre dans chaque école. Et si c'est pas donc ces tracks spécifiques, l'étudiant peut aussi faire un échange classique, on va dire, un échange académique dans une des universités partenaires. Donc on a plus de 175 universités partenaires aujourd'hui. Ça peut être en Europe, on a par exemple Bocconi. Ça peut être en Amérique du Nord, ça peut être en Asie. Et on a également 10 doubles diplômes. Donc pour les doubles diplômes, ça va être les universités qui sont indiquées sur la carte. Vous pouvez également les retrouver sur le site internet au cas où. Alors, j'ai juste un petit mot aussi sur un exemple de parcours que je voulais vous partager. Donc, je vais vous laisser aussi le lire en même temps. Je ne vais pas pouvoir tout élaborer ici. Mais voilà, c'est un exemple de ce qu'il est possible de faire à l'ESSEC avec un parcours d'une étudiante qui est aujourd'hui diplômée du Global BBA à l'ESSEC et puis qui poursuit ses études à l'ESSEC dans le master en finance. Donc qui est un des masters que nous proposons à l'ESSEC. Donc elle a suivi le programme Global BBA en anglais, avec comme vous pouvez voir 3 stages, un à Marseille, un dans la banque alimentaire en Allemagne et un chez Natixis à Paris, et avec un échange universitaire à l'université de Saint-Gallen. Et enfin, un point important aussi que je voulais mentionner pour tous les étudiants qui habitent à l'étranger, qui souhaitent candidater à l'ESSEC, il est aussi important de savoir qu'on a des résidences étudiantes sur place. Et donc, il est possible, une fois que l'étudiant est admis, de faire le choix de résider dans une des résidences de l'ESSEC, soit pour avoir une chambre, soit pour avoir un appartement, un studio, etc. On a environ 1000 chambres disponibles et 4 résidences différentes sur le campus de l'ESSEC. Et enfin, dernier petit mot sur la candidature pour le Global BBA. Donc, il y a 2 possibilités, 2 voies en fait, d'admission différentes. La candidature en français, donc pour les étudiants qui ont un bac français, qui souhaitent intégrer le track francophone, ça va être par Parcoursup, par le concours Sésame. Et enfin, la candidature en anglais pour le track anglophone, pour tous les étudiants qui ont soit un diplôme international comme l'IB, le US High School Diploma ou qui ont le double diplôme US High School Diploma bac français, ils peuvent candidater directement en ligne sur le site de l'ESSEC en fournissant la liste des documents qui est affichée à l'écran et qui est disponible aussi sur notre site pour pouvoir intégrer le programme. Et donc, dans tous les cas, si vous avez des questions par rapport à la candidature, vous pouvez en fait me contacter directement ou prévoir un créneau, par exemple, pour faire un entretien avec moi, pour voir en fonction de votre profil ce qui est le plus adapté. Donc voilà, vous pouvez aussi contacter des étudiants actuellement dans le programme si vous voulez avoir des retours d'expérience,
les étudiants, soit qui sont au Canada, aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Donc voilà, avant de passer aux questions-réponses, je voulais aussi juste vous partager le témoignage d'une étudiante qui est donc américaine, qui est actuellement dans le programme en quatrième année, en début de quatrième année. Donc je vous laisse avec la vidéo avant de passer aux questions-réponses. One of the biggest factors that drew me to the ESSEC Global BBA program was that I wanted more life experience than a typical American college experience. The fact that you're able to travel to three or more countries built into the program, whether that's through internships or intercampus mobility, really drew me to the program. I loved that I didn't need to speak very good French, but I had the opportunity to learn. And the international program, the fact that I was able to learn in English was something that was very important to me. I wanted to open up working internationally in my future. So the connections that you can make and also the just being in Europe, it opens up potentially working abroad later on. Every single day, I'm glad that I made the decision that I did. Just the experiences that I've had in the last 3 years alone, and I still have one more, it's the experience of a lifetime. My first year I spent in France at the Cergy campus. Then second year I did an intercampus mobility for the first semester in Singapore. I ended up going back to France for the semester four. And then upon starting the year three, I was doing my exchange in Madrid at ESSEC University. After ESSEC, I went back to Paris, Cergy campus, and that was my 3 years. Merci beaucoup, Julie, pour ces explications. On avait une première question. Alors, juste pour rappeler, il y a un QR code qui s'affiche. N'hésitez pas à le flasher directement avec votre portable. Voilà, il est en bas à droite de votre écran pour directement prendre rendez-vous avec Julie. Et si vous avez des questions directes que vous pourrez lui poser. On avait une première question de Dominique qui demandait comment choisir entre le campus pour commencer justement son bachelor. Oui, très bonne question. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné. Alors, en fait, il faut choisir dès le moment de la candidature entre soit la France ou donc le campus de Cergy ou Singapour. Singapour, ce sera forcément en anglais. On n'a que des programmes en anglais à Singapour. Et à Cergy, ce sera soit en anglais ou soit en français. Il faut savoir qu'au niveau de la partie académique des cours, on va vraiment avoir les mêmes intitulés, les mêmes cours. C'est le même programme en fait et c'est le même diplôme forcément qui est délivré à la fin. Donc ce qui va changer, c'est plus la coloration un petit peu que vous voulez apporter à votre programme. Si vous voulez avoir une coloration plus, une orientation plus européenne entre guillemets, plus Western countries par exemple, ou si vous voulez avoir une orientation plus asiatique par exemple pour certains cours, vous allez avoir des projets, des challenges plus sur des entreprises qui sont en Asie pour le campus de Singapour et pour le campus en France avec plus des entreprises qui sont en Europe ou plus en Amérique du Nord par exemple. Donc ça va être la petite différence. Et il y a également aussi la taille du campus qui est un petit peu différente. Forcément, à Cergy, c'est le campus historique, donc on a un campus qui est un peu plus grand comparé à celui de Singapour. Merci beaucoup, Julie, pour ces précisions. Je le rappelle, n'hésitez pas à flasher directement où vous retrouverez les coordonnées de Julie sur le site d'étudier en France. Merci beaucoup, Julie. On va continuer tout de suite avec l'EDEC Business School et on retrouve tout de suite Sarah Dries qui va nous rejoindre. Merci. Merci, Sarah. Et je te passe tout de suite la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sarah Dries, donc je suis en charge des admissions internationales pour le programme Bachelor de l'EDEC qui s'appelle l'EDEC International BBA. Donc, je vais tout de suite commencer la présentation. N'hésitez pas à flasher le petit QR code qui vous donnera accès à un formulaire qui, moi, me permettra de vous recontacter un petit peu plus tard.
Alors, donc, pour vous parler un petit peu de l'EDEC, donc c'est une école de commerce française qui a été créée en 1906. On fait partie du top 5 des meilleures écoles de commerce en France. On fait partie du top 15 en Europe. On possède ce qu'on appelle aussi la triple couronne, donc 3 accréditations que vous pouvez voir sur votre écran. Il y a seulement 1% des écoles de commerce dans le monde qui possèdent cette triple accréditation. Au niveau de notre BBA, donc le programme que je vais vous présenter, on a la chance d'être classé numéro 1 en France par des classements très prestigieux tels que le magazine Challenge ou l'étudiant. On a aussi d'autres programmes, comme vous pouvez le constater. On a certains masters et certains MBA qui sont classés dans les top 15 mondiaux. Et voilà, on a plusieurs autres accréditations. Donc, pour vous parler un petit peu des campus, il faut savoir qu'à l'EDEC, on a 5 campus à travers le monde. En France, on est à Lille, Paris et à Nice. À l'étranger, on est à Londres et à Singapour. Mais pour le programme BBA, on est situé à Lille et à Nice uniquement. Donc, le campus de Lille, en fait, c'est un des plus gros campus de France. C'est vraiment un campus à l'américaine. Il y a beaucoup d'infrastructures. Vous avez, par exemple, une piscine olympique, un terrain de squash, terrain voilà, de basket, de foot, etc. Donc, comme je l'ai dit, on est sur près de 9 hectares. Donc, vous avez par exemple à l'intérieur du campus un relais Amazon, une agence bancaire, vraiment plein de choses pour vraiment s'épanouir au sein du campus. On a aussi la chance d'avoir une résidence universitaire. Et en fait, pour tous les étudiants comme vous qui habitez à l'étranger, vous aurez la priorité pour être logés sur le campus par rapport aux étudiants qui sont basés en France. Pour le campus de Nice, donc en fait, c'est un campus qui est plus petit, mais qui est plus urbain parce qu'on est directement en fait dans le centre de Nice. On est sur la promenade des Anglais, qui est vraiment la partie la plus emblématique de Nice. Donc, c'est aussi un cadre de vie très agréable parce que vous avez cours juste en face de la mer. Il y a aussi pas mal d'infrastructures. On a par exemple 3 terrasses, 3 restaurants. Il n'y a pas de résidence universitaire à l'intérieur du campus, mais il y en a vraiment beaucoup à côté qui sont communes à d'autres écoles ou d'autres universités. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet, et je vais vous présenter l'EDEC International BBA. Donc BBA, pareil, c'est un parcours en 4 ans directement après le baccalauréat. Donc nous, le BBA, il est non seulement reconnu en France, on est aussi visé par l'État français, mais on a une reconnaissance dans le monde entier. Donc peu importe où vous allez par la suite pour travailler ou continuer des études, votre diplôme sera vraiment reconnu partout dans le monde. Donc dans ce fameux BBA, on va avoir 2 parcours différents. Ces 2 parcours sont en 4 ans et préparent au même diplôme. C'est juste vous qui choisirez le parcours qui vous correspond le plus. Donc, le premier parcours s'appelle le Global Business. C'est un parcours qui est à 100% en anglais et sur le campus de Nice uniquement. Donc, c'est un parcours qui est vraiment très, très, très international. Vous allez rarement retrouver un parcours avec autant d'immersion à l'étranger parce que, comme vous pouvez le voir sur le schéma, en fait, dans les 4 ans, il y a 3 années académiques, donc 3 années de cours en université et vous aurez des stages à faire en entreprise également. Donc, mis bout à bout, tous ces stages, ça représente jusqu'à, en fait, 14 mois de stage, donc 14 mois d'expérience professionnelle sur votre CV à la fin du BBA. Donc, voilà comment il se découpe un peu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a la première année à l'EDEC de Nice où vous allez découvrir les fondamentaux du business. Ensuite, après le premier stage que vous ferez pendant l'été, vous partirez pendant 1 an à Los Angeles et vous allez étudier à UCLA Extension. Ensuite, vous allez faire un stage de 4 à 5 mois pour partir ensuite tous ensemble, encore une fois, passer une année à Singapour, à Nanyang Technological University pour terminer le BBA par un stage de 6 mois. Donc, comme vous pouvez le constater, que ce soit UCLA et Nanyang, en fait, ce sont des universités qui appartiennent au top 15 mondial des meilleures universités. Donc, c'est un parcours qui est vraiment très, très prestigieux. C'est intéressant aussi au niveau des frais de scolarité parce qu'on est sur des frais qui s'élèvent à 17 300 euros par an et ils incluent les frais de scolarité de UCLA Extension et de Nanyang, qui sont des universités qui coûtent très cher, mais vous ne paierez que les frais de scolarité de l'EDEC. Donc là, voilà quelques petits exemples de cours que vous allez avoir. Vous allez avoir une partie de cours obligatoires et des électifs. Donc, n'hésitez pas à consulter le site et on vous enverra la brochure. Donc, je ne vais pas m'étaler plus longuement. Vous avez toute la liste sur notre site. À Nanyang, c'est la même chose. Vous allez avoir des cours obligatoires et des électifs. Comme vous pouvez le voir à droite, il y a une photo de Vijay Sethi qui a été élu meilleur prof de business au monde par The Economist. En fait, l'EDEC a signé un partenariat avec l'Executive Education de
NTU, ce qui veut dire que tous vos profs sont les mêmes profs qui vont enseigner dans les programmes tels que les MBA. Alors maintenant, je vais vous présenter le deuxième parcours. Donc, je le rappelle aussi en 4 ans et le même diplôme à la fin, mais vous allez voir que celui-ci, il est quand même assez différent. Donc, il s'appelle le Business Management. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez également l'étudier à 100% en anglais ou vous pouvez l'étudier à 100% en français. Vous pouvez même faire un mix des deux, c'est-à-dire commencer les 2 premières années dans une langue et puis changer pour l'autre langue les 2 dernières années ou changer à partir de la 3e année. Enfin, vous allez voir que ce parcours-là, il est beaucoup plus modulable. Si vous le faites en français, vous pourrez choisir entre Lille et Nice. Si vous le faites en anglais, celui-ci sera sur le campus de Lille. Donc, voilà comment il se découpe. Vous avez les 2 premières années où vous allez étudier les fondamentaux du business. Donc, je vais vous montrer juste après. Ce sont des années, en fait, de tronc commun où vous allez étudier de tout. Par contre, à partir de la 3e année, vous allez devoir vous spécialiser dans un domaine précis, ce qui veut dire que vous ne ferez plus que votre spécialité les 2 dernières années du BBA. L'avantage, c'est que ces spécialités-là, en fait, vous aurez plus de 400 heures de spécialisation. Donc, vous aurez vraiment un gros niveau de spécialisation à la fin du BBA. Comme vous pouvez le voir, vous aurez aussi des stages à faire à chaque fin d'année. Et là, vous pouvez acquérir jusqu'à 18 mois de stage. Ça fait déjà 1 an et demi d'expérience professionnelle sur 4 ans. C'est quand même énorme. Avec ce parcours-là, vous serez aussi amené à partir à l'étranger parce que c'est un parcours qui est tout aussi international. Vous pouvez faire tous vos stages à l'étranger. On a aussi des programmes d'échange et des doubles diplômes. Et dans ce parcours-là, on vous demandera de partir au moins 6 mois dans une de nos 167 universités partenaires. Donc, les 2 premières années, vous avez les fondamentaux du business, comme je vous disais, donc vraiment beaucoup de matières différentes. Ça va vous aider pendant 2 ans à savoir ce qui vous plaît le moins. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi des électifs. En fait, il y en a certains qui n'ont même pas de rapport avec le business, donc ça vous permet vraiment d'élargir vos horizons et de voir plein de choses différentes. On a par exemple histoire de l'art contemporain, psychologie du sport, des électifs dans le climat, biodiversité, pollution, donc vraiment plein de choses différentes. Les 2 années suivantes, donc comme je vous disais, là il va falloir vous spécialiser, donc choisir un domaine et se focaliser sur ce domaine. Vous avez par exemple audit, contrôle de gestion, ressources humaines, marketing ou finance. Et en 4e année, vous allez encore plus vous spécialiser, donc c'est un petit peu comme un entonnoir. Si par exemple en 3e année vous avez choisi marketing, en 4e année vous pouvez choisir marketing du luxe, marketing communication et médias, enfin voilà, quelque chose qui sera en rapport avec la spécialité de 3e année. Ensuite, pour l'international, je vous ai dit qu'on avait 167 universités partenaires dans le monde. On a la chance d'avoir des partenaires très, très prestigieux. Par exemple, King's College à Londres, Bocconi en Italie, Telfer à Ottawa au Canada. On a aussi un Global Manager Certificate. Donc ça, je pourrais vous expliquer, c'est un type d'échange très particulier avec un focus sur l'International Business Management. Et on a des doubles diplômes également. L'avantage, c'est que cette année, par exemple, on vient de signer un partenariat avec la Sorbonne, qui est l'université la plus prestigieuse en France et qui vous permet en parallèle du BBA d'obtenir une licence de droit de la Sorbonne que vous ferez en ligne en parallèle du BBA. On a aussi par exemple un double diplôme avec une école d'ingénieurs qui vous permet de faire 2 ans dans un cycle ingénieur et 2 ans sur le BBA de l'EDEC. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment des partenaires très très intéressants. Donc, je voulais juste vous parler très rapidement des conditions d'admission, mais pareil, on pourra en rediscuter, je pourrai tout vous réexpliquer. Juste ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, si vous passez un bac français, il faudra postuler sur Parcoursup. Si vous passez un autre type de bac, par exemple un high school diploma ou un IB, il faudra postuler directement sur le site de l'EDEC. Les admissions sont ouvertes déjà depuis le 10 novembre. Et par contre, si vous passez les deux, parce qu'il y a beaucoup de lycées français, par exemple aux États-Unis, où les étudiants vont recevoir un high school diploma, diplôme et un bac français, je vous recommande de postuler sur le site de l'EDEC avec votre high school diploma ou votre IB par exemple, mais pareil, on pourra en rediscuter. Juste ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, nous sommes une admission par dossier à 100%, donc on n'a pas de concours, même sur Parcoursup, aucune épreuve écrite, ça se fait uniquement par dossier. Donc, il y aura la partie académique, c'est-à-dire que vous allez devoir remplir le dossier, que ce soit sur Parcoursup ou la plateforme EDEC, et vous allez devoir ajouter vos bulletins des 2 dernières années de lycée, donc grade 11, grade 12 ou première terminale, plus d'autres éléments, pareil, je pourrais vous en reparler. Et pour la partie motivation, on va vous demander de faire un test de personnalité sur une application mobile qui s'appelle ImageMe et
un entretien de motivation en fait avec un intervenant de l'EDEC. Donc voilà, je pense avoir terminé. Donc du coup, pareil que Julie pour l'ESSEC, je vais vous montrer une petite vidéo d'une étudiante qui s'appelle Perrine Sbrer et qui est sur le parcours Global Business. Donc du coup, voilà, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Hi, I'm Perrine Sbrer. I'm from EDEC Business School. So I'm a student from the Global Business track. I went the first year at Lille, so now I know that it's Nice, but it was an awesome experience. And then I went to LA for a year, where I get to know more like the American way of living and like the American teachers. It was also really enriching because we had the opportunity to join some student unions such as UNICEF. Also, I had the opportunity to work as a photographer in UCLA. So I was really, really happy having those type of experiences. And also now I have some friends that are in Singapore. So they really enjoy also like knowing the Asian culture. So, okay, so concerning the classes, we had a lot of classes that were like really broad, so it's really general, so that it can help you to know more and to choose better your career path afterwards. And the teachers are like really diverse and have a really strong professional experience. So that was awesome because we can know more a bit, to practice more in the field instead of just having some techniques or just like studying some theories, you know. So yeah, I really thanks my teachers for that, and that also allows me to choose my internship afterwards, because with EDEC we have a lot of professional experience, and this is like awesome. So yeah, so I'm really happy being part of the EDEC family, and I'm also really close to my classmates, so I get to know like really, really close friends now. So yeah, if you want to join like EDEC, you can text me whenever you want, and I will be happy to answer you. Thank you. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour la présentation. Je le rappelle, n'hésitez pas à poser directement vos questions à Sarah en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Et on avait une première question de Audrey qui nous demande alors s'il y a un GPA et un SAT, alors on passe dans des termes un petit peu techniques, minimum pour être admis. Donc alors, c'est le fait, score qui est délivré par les high schools, mais je pense que nos attendees sont au courant. Exactement. Alors, en fait, que ce soit pour l'IB ou le High School Diploma, on n'a pas de minimum requis en termes de notes, par exemple, ou de matières à choisir. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur vos bulletins de première et terminale et grade 11, grade 12. Par contre, on offre une bourse de 8 000 euros qui s'appelle la bourse Highest Honors et qui, là, va se baser sur votre score GPA. Donc, en fait, le GPA ne sera pas demandé pour être admis, mais vous pourrez envoyer votre score pour pouvoir prétendre à cette bourse. Merci beaucoup. Et il y avait une petite précision, elle demandait si vous prenez en compte les scores AP. Non. D'accord, ça répond à la question. Il y avait une question de Béatrice aussi qui nous demandait quand sont les frais d'application, quand est-ce qu'ils sont dus et quand est-ce qu'on sait si on est admis ou pas, quelle est la timeline. Alors, en fait, on offre deux sessions de candidature par an. La première session qui a débuté déjà depuis le 10 novembre et elle va se clôturer le 19 janvier. Et on a une seconde session au mois de mars, mais je vous encourage vivement à postuler à la première session. Vous aurez les réponses définitives le 2 mars et ce qui vous voilà, positionne en même temps que d'autres universités à l'étranger. Donc, vous aurez la réponse super tôt dans l'année, ce qui vous permettra de préparer votre arrivée en France. Super. Merci beaucoup. On avait une dernière question de Yasmine. Est-ce que c'est la même cohorte pendant les 3 années? Peut-être que tu peux préciser à ce niveau-là. Oui, exactement. En fait, je pense que vous parlez du Global Business. Tout à fait. En fait, les étudiants rentrent en première année et ils restent tous ensemble pendant les 4 ans. Donc, ils seront ensemble à UCLA Extension, ils seront ensemble à Singapour. Après, bien sûr, pendant les stages, chacun sera séparé, mais vous vous retrouverez. Donc, vous serez comme une petite famille. Voilà. Super. Alors, j'en prends une dernière aussi de la part de Maximilien qui demande s'il y a un nombre de places limité pour les étudiants qui candidatent avec l'IB plutôt qu'avec le bac français.
Alors, en fait, tout est bien calculé pour donner autant la chance à ceux qui vont postuler avec un diplôme international que ceux qui vont postuler avec Parcoursup via un bac français. Donc, c'est notre équipe admission qui gère, mais voilà, ils savent déjà exactement combien de places attribuer pour chaque parcours. Donc, tout le monde a exactement les mêmes chances, sachant que pour peut-être doubler vos chances, vous pouvez postuler avec les deux, par exemple. D'accord. Et on sait combien il y a de places, justement? Alors, donc nous, on est le plus gros BBA de France. On accueille chaque année environ 900 étudiants. C'est vrai que sur les parcours anglophones, pour l'instant, on a un petit peu moins d'étudiants. En fait, la bonne nouvelle, c'est que pour le business management, on vient d'ouvrir une deuxième cohorte. Donc, on va passer à environ un peu moins de 200 étudiants sur le business management en anglais. Sur le global business, on est sur un peu moins de 100 étudiants parce que voilà, c'est un programme très, très international. Donc, on ne peut pas se permettre d'envoyer 500 étudiants d'un coup à UCLA Extension et à Singapour. Et du coup, ben, le reste, ça fait environ 700 étudiants sur les parcours le parcours en français, pardon, sachant qu'il y a la possibilité de switcher sur le parcours en anglais à partir de la troisième année. Super. Merci beaucoup, Sarah. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Sarah directement, soit sur le QR code. Et vous retrouverez évidemment en replay toutes les conférences sur French Morning, bien entendu. Merci beaucoup, Sarah. Un grand merci. À très bientôt. Et on retrouve tout de suite l'IPAG. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Pivot de l'IPAG. Bonjour Christophe. Bonsoir Clément. Comment allez-vous? Superbe, merci. J'espère que tu es en pleine forme également et je vais tout de suite te laisser la parole. C'est très gentil. Merci. Alors je crois que je vais clôturer donc du coup ces présentations sur le programme Bachelor. Donc je m'appelle Christophe Pivot, je suis directeur adjoint des admissions de l'IPAG Business School. Très rapidement, donc du coup, je vais bien entendu essayer d'être le plus concis, le plus précis possible, vous donner un peu ce qu'est l'ADN de l'IPAG et quel est son programme Bachelor. Et je serai bien entendu ravi de répondre à toutes les questions dans un second temps. Juste avant cela, je vais vous laisser regarder une petite vidéo qui donne un peu l'état d'esprit de l'IPAG. Voilà, ce qui est intéressant et ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement, comme toute grande école de commerce, on va proposer une foultitude de programmes et d'options. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir construire avant tout la vôtre. Et c'est ça qui nous plaît à l'IPAG, en fait, c'est d'accompagner les étudiants sur un parcours qui va leur ressembler. Je vous laisse ici mes coordonnées, mon adresse email, également mon numéro WhatsApp. Je vous le redonnerai également en fin de présentation et je serai ravi de poursuivre cet échange avec vous. Alors, l'IPAG, très rapidement, c'est une école qui a été fondée en 1965, donc à Paris, et qui s'est étendue à Nice, puis par l'intermédiaire de campus associés à Kunming et à Los Angeles depuis 2011. Donc, c'est aujourd'hui 4 campus physiques, mais également
un campus virtuel depuis janvier 2021. Alors, les campus de l'IPAG, aussi bien le campus niçois qui se situe voilà en cœur de ville, ça c'est vraiment très important, ça fait partie de l'ADN et de l'histoire de l'IPAG, des campus vraiment qui vivent voilà au cœur de la cité. Ça c'est quelque chose qui est vraiment singulier et propre à l'IPAG, donc boulevard Carabassel, à quelques encablures de la promenade des Anglais. Et puis le siège historique de l'IPAG, boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement, au 184 précisément, qui est le siège historique. Et puis l'IPAG, continuant de se développer, s'est doté d'un nouveau campus depuis cette rentrée. Il aurait dû être inauguré à la rentrée dernière et la situation ne nous l'a pas permis. Donc là, on a lancé, voilà, en grande pompe, ce nouveau campus situé donc à Beaugrenelle, juste en face de la maison de la presse et de la radio, à quelques pas aussi de la Tour Eiffel. Donc ça, c'est un campus, voilà, qui balance avec le campus historique du 184 boulevard Saint-Germain, un campus voilà moderne et connecté. Alors, sur l'IPAG Business School, notre motto, nous, c'est going beyond together, c'est aller plus loin et se dépasser ensemble. Un choix d'école de commerce, vous ne ferez jamais de mauvais choix quand vous choisirez, comme l'IPAG, une grande école de commerce. Aujourd'hui, il y a 38 grandes écoles de commerce. 13 sont sous le format post-bac comme l'IPAG, on les intègre directement après le baccalauréat, et puis ensuite 25 sur le format post-prépa. Ce qu'il faut retenir de l'IPAG, c'est que c'est une école qui est ancrée dans l'histoire. Elle a été fondée par ce monsieur qui vous dit peut-être rien, sauf peut-être à vos parents, si ils ont tenu dans leurs mains une pièce de 1 franc. C'était Jacques Rueff, qui était le conseiller économique du général de Gaulle, qui a fait le plan Pinay-Rueff, qui est le fameux plan qui a participer à la relance économique de la France d'après-guerre. Donc tout ça pour vous dire que c'est une école vraiment qui a une histoire, qui a, comment dirais-je, un ADN particulier et qui a pour objectif aujourd'hui d'accompagner et de former les futurs managers au changement du monde. Tout ça est peut-être très abstrait. De manière concrète, comment ça va se positionner? Ça va se positionner sur différents programmes. Programme bachelor qu'on va développer aujourd'hui, mais aussi un programme grande école et des programmes postgraduate. Le programme bachelor, c'est un programme qui s'inscrit dans la réforme LMD, nous qui est un bachelor, donc du coup sur un format bac plus 3. Le programme grande école qui est un format en 5 ans, et puis ensuite postgraduate, MBA ou les Master of Science. Ces programmes, notamment pour le bachelor, sont proposés en single ou dual diploma. Et le programme grande école se découpe aussi en American Track, une version anglo-saxonne du programme grande école, Main Track, le programme grande école classique, et puis le MIT, qui est un programme Management, Innovation et Technologie en double diplôme. Alors, développons le focus sur le programme bachelor. Donc, l'IPAG, bien entendu, est membre de la conférence des grandes écoles. C'est un diplôme qui est également visé et qui va offrir, en fait, ça c'est une des particularités du programme bachelor, une spécialisation qui va être abordée dès la première année. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 4: marketing, communication digitale, commerce international, management du luxe et une filière anglophone, international management. Ça va se découper de cette manière-là, c'est-à-dire que, bien entendu, il va falloir, parce que c'est l'objectif d'un diplôme, en 3 ans, former les étudiants de manière à ce qu'ils soient opérationnels et employables, parce que qui dit diplôme dit employabilité derrière. Bien qu'aujourd'hui, on le voit, de plus en plus d'étudiants, c'était plus de 80% d'ailleurs de la promotion du programme bachelor qui poursuit ses études en programme grande école à l'issue des 3 ans, eh bien, on va quand même être dans ce délai de ces 3 années pour donner à la fois tout ce qu'on va appeler les fondamentaux de management et de gestion, donc les basiques, mais aussi des cours de spécialisation qui vont aller crescendo, 20%, 30%, puis 50% en 3e année. Bien entendu, tout cela, et on va le redétailler après, mais encore une fois, de manière simple et pragmatique par la suite, c'est accompagné de tout un dispositif d'encadrement pour permettre aux étudiants de développer à la fois des soft skills, mais également des hard skills. Ça va vraiment être sur ça. Il faut bien entendu avoir le savoir-faire, pardon, mais le savoir-être est également
très important à l'IPAG. Ils vont passer au cours de ces années de bachelor tout un tas de certifications. Ils vont être accompagnés aussi par des coachs qui vont eh bien faire des bilans de compétences avec eux pour savoir si leur choix de spécialisation correspond à leurs attentes au fur et à mesure qu'ils vont se confronter aux différents cours, aux différentes matières, aux différents cas pratiques, aux différents stages aussi, parce que il faut le savoir, l'IPAG était la première école française à rendre le stage obligatoire dans son cursus. C'était quelques années après sa création en 1969. Ça a toujours été aussi une école très pragmatique, pardon, et c'est pour ça qu'on retrouve chaque année des stages dans le cursus de l'IPAG. Et puis également, qui dit grande école de commerce, dit échanges à l'international qui sont sur différents pays, différentes destinations au sein de ce bachelor. Et puis, la troisième année, il va y avoir un choix de faire le single diploma, donc le socle commun, les cours de spécialisation et un stage spécialisé en France ou à l'étranger, qui peut être un stage de pré-embauche ou en tout cas un stage de fin d'études, ou un double diplôme qui peut se faire avec l'un de nos deux partenaires, l'Université de South Wales. Donc là, dans ce cas-là, ça sera des cours sur le campus de Nice par les professeurs de l'Université de South Wales, puis un stage de 4 à 6 mois en France à l'étranger, ou une année complète à Nottingham Business School. Donc voilà, ça c'est ce qu'offre ce programme Bachelor sur ces 3 premières années. On va voir ensemble comment on peut rejoindre ce programme Bachelor. Alors, il y a deux possibilités de rentrée, des rentrées fall en septembre et des rentrées spring en janvier. Donc là, on va étudier les dossiers à partir du mois de janvier et clôturer au mois de juillet pour la rentrée fall, qui est celle, à mon avis, qui vous intéresse le plus. Deux possibilités également, donc l'intermédiaire Parcoursup, mais effectivement, si vous présentez, je sais que c'est le cas pour certains d'entre vous, un diplôme aussi voilà, américain, vous pouvez postuler par l'intermédiaire de votre diplôme américain, au même titre que la rentrée de Spring, sur notre site, et ça sera donc du coup, pour les conditions d'admission, à la fois soit le dossier qu'on a sur Parcoursup ou le dossier sur titre, composé d'un CV, du baccalauréat si vous l'avez déjà ou d'un équivalent, ou des 3 derniers relevés de notes, d'une lettre de motivation qui sera composée au dossier. Ensuite, il y aura un test écrit avec 30 questions sous format QCM, anglais, culture générale et logique, et un entretien qui se fera en visio à distance pendant 30 minutes. La poursuite d'études après le bachelor, alors c'est ça aussi la volonté de l'IPAG de l'avoir fait sur la réforme LMD en 3 ans, les 3 niveaux de reconnaissance des diplômes, licence, master et doctorat, c'est de pouvoir ensuite basculer et de faire l'intégralité du cycle master dans le programme grande école. Parce que pour être diplômé d'un programme grande école, et voilà, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, le MESRI, qui l'impose, il faut faire les 2 années intégralement du cycle master. Et là, sur le cycle master, on va être ouvert sur 10 domaines de spécialisation en master qui va passer du marketing à la finance jusqu'à l'entrepreneuriat, bref, tous les grands domaines que l'on peut retrouver dans une école de commerce. Ce que je voulais vous dire en substance et en résumé, c'est que ces années à l'IPAG, ça va être une expérience sur mesure qui va permettre non seulement de se découvrir, parce qu'il est très difficile de dire, même si on commence à avoir une appétence et se dire, tiens, moi j'aimerais faire des études en management et en gestion, mais qu'est-ce qu'on va faire à la sortie? Ça, c'est quelque chose qui est peut-être flou, et je le vois pour la plupart des entretiens que je fais passer. Les étudiants ont parfois une idée, mais on voit qu'au fur et à mesure des cours, des stages, des expériences, eh bien, ces choix évoluent. Donc ça va être aussi important, se découvrir qui on est, et pour non seulement trouver son cursus, mais aussi trouver non pas un métier, mais le métier qui va correspondre à ses attentes à la sortie du diplôme. Et puis découvrir l'entreprise, comme je vous l'ai dit, des expériences professionnelles chaque année, mais aussi des échanges avec des entreprises partenaires qui vont venir eh bien, lors de conférences partager des filières métiers, comment dirais-je, des secteurs d'activité plus spécifiques. Et puis, bien entendu, découvrir le monde. Quand on a soumis à notre promotion en première année, pour quelles raisons avez-vous choisi l'IPAG? 76% d'entre eux avaient choisi le côté international de l'IPAG. Et c'est vrai que ça, au travers des stages et des échanges universitaires, l'IPAG va proposer cette découverte aussi sur le monde.
et aller plus loin ensemble. Donc, c'est, comme je disais, des débats, des tables rondes avec des entreprises, mais aussi avec des intellectuels, des personnalités du monde politique, culturel, artistique ou autre, parce qu'on a cette volonté à l'IPAG aussi de solliciter nos étudiants sur la réflexion, sur confronter les idées, des expériences nouvelles. Ça va être au travers de parcours en dehors des murs de l'école auxquels on va, comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, mettre nos étudiants dans des situations inhabituelles pour tester à leur fois leur capacité d'adaptation, de leadership, bref, tout un tas de qualités. Et puis également une vie associative épanouie qui nous semble indispensable. Donc tous les étudiants au sein de l'IPAC Business School prendront part à une association, qu'elle soit sur des domaines sportifs, humanitaires, environnementaux, caritatifs. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important pour nous. Et puis, c'est bien entendu, comme toute grande école, un career center qui va être là pour accompagner les étudiants dans leur recherche de stage, dans la construction de leur CV, dans les aider à trouver à la fois des stages au travers des réseaux sociaux professionnels, savoir se démarquer, tout un tas de choses. On organise d'ailleurs en dernière année ce qu'on appelle des booster days, qui sont des bootcamps dédiés pour leur permettre vraiment de faire la différence, négocier son salaire, se faire remarquer des recruteurs. Bref, tout un tas de choses qui vont leur être vraiment concrètement utiles. C'est aussi un catalyseur de projet parce que des étudiants pourront, s'ils le souhaitent, dès la première année, intégrer par des modules la filière entrepreneuriale et développer un projet au cours de leur année d'études. Et puis, c'est bien entendu un réseau dynamique. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est très important. On dit très souvent l'IPAC, c'est une grande famille de 13 500 diplômés à travers le monde. Et ça, savoir s'appuyer sur le réseau au travers eh bien, d'événements networking ou voilà, de tous les événements qui sont organisés vers et envers les diplômés, c'est quelque chose aussi qui est important pour nous. Et puis, bien entendu, découvrir le monde au travers de doubles diplômes, d'expériences professionnelles, et tous nos étudiants vont s'expatrier. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas sur l'IPAG, et je vous remets de nouveau mes coordonnées si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup Christophe. Le petit QR code, je le rappelle, qui s'affiche en bas de votre écran pour prendre directement rendez-vous avec Christophe si vous avez des questions. On avait une première question de Béatrice qui nous demandait concrètement en termes, alors savoir si c'est facile de trouver un logement abordable pour les étudiants, notamment sur Nice. Alors, Paris et Nice, on sait que c'est des villes qui sont très sollicitées. L'avantage, comme je disais, c'est qu'on est situé à chaque fois en cœur de ville. Donc, on peut venir des alentours de Nice si on souhaite s'éloigner un petit peu du centre et effectivement avoir des frais de logement moindres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a une plateforme mise à disposition des étudiants qui a quand même permis l'année dernière de passer plus de 350 étudiants grâce à cette plateforme. Donc, ça, c'est intéressant. Les logements universitaires aussi sont ouverts aux étudiants. Donc, c'est bien entendu un process dans lequel on va accompagner les étudiants dans leur recherche de logement. Mais il n'y a pas de D'accord. campus au sens avec ce que je voyais, il y avait des dorms room. Non, il n'y a pas de campus avec justement des dortoirs au sein de l'IPAC. On adorerait, mais voilà, c'est les étudiants font soit sur leur propre logement, soit en résidence universitaire, en colocation. Il y a aussi comment dirais-je, tout le réseau IPAC qui permet de se loger. Et on avait une autre question, merci beaucoup Christophe, qui demandait si j'ai fait mon bachelor aux USA, est-il possible de poursuivre mon master en France? Bien entendu, c'est ce qu'on appelle les admissions sur Ouais. titre. Donc, il est possible, au travers du site Internet, de rejoindre le cycle master. Et là, c'est étudiants qui soit sont résidents à l'étranger, soit titulaires d'un diplôme et autre qu'un diplôme français. Donc là, c'est une procédure d'admission sur dossier et sur entretien. Et l'inverse est possible aussi en faisant un bachelor en France, après faire un master aux États-Unis. C'est également le système des crédits. Alors en Europe, c'est les crédits ECTS, c'est 60 par année. En Amérique du Nord, c'est 30. Donc en fait, on fait valoir les équivalences. Donc à partir du moment où ce sont des diplômes à minima visés pour le bachelor et puis ensuite grade de master pour le programme grande école, on peut faire jouer effectivement les équivalences. D'accord. Merci beaucoup. Je le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions directement à Christophe. Vous avez le QR code et vous retrouvez toutes les coordonnées de nos intervenants sur French Morning et sur étudieren-france.us où vous avez tout le programme. Merci beaucoup, Christophe. À très bientôt. Et Merci, bonne fin de journée, merci beaucoup. merci beaucoup. Et nous, on va continuer avec notre dernière école pour cette deuxième session sur les bachelors en école de commerce avec le Forward College.
et je vais avoir le plaisir d'accueillir Omar Mansour et Andrew Hand. Merci à vous deux. It will be in English for this one. We'll switch from French to English if I'm right. So I'll let you go. Merci. And yes, I'll be presenting mainly in English, which is the shared language of our three campuses, which are on in Lisbon and in Paris and in Amsterdam. So forgive me, but most of the presentation will be in English, but my colleague Omar will also be using French from time to time. So welcome to the presentation on Forward College. Our Forward College is brand new. We have our first cohort of students beginning in September last year. So they're in their first year and they are currently on the campus in Lisbon. You could go to the first slide, please, Omar, if you don't mind. We are new in the sense that we are a new college, but we're not new in the sense of the work which has taken place prior to becoming the college that we are. A lot of research has been done in the market, the job market, the current job market, the future job market, and what really might be the way forward, pardon the pun, for higher education as we see it. So we are looking really now at providing what we think is a good pathway or a double pathway, in fact, into the world of work or further education using a double degree program, which we'll talk about in just a moment. So next slide, please, Omar. We have a lot of people backing Forward College, and these people are coming significantly from private enterprise, international companies, universities, and others who are really behind us in the sense of providing something innovative in higher education, as you will see in a moment. And we're very grateful for the backing that we have and the support that we have in this new venture. You can see here that from this slide that we have built our program, college, on three significant pillars. One is meeting student aspirations, delivering academic excellence, and maximizing job matching. We in fact have built this program with a double degree that you can see. And that degree is first of all taken from the University of London, and specifically in our case, from the London School of Economics and King's College. And at the moment we're offering a number of degrees really coming from the social sciences or humanities, if you like. But we will be, of course, increasing the number and range of our academic offerings as soon as we possibly can. We have this partnership and we are really an accredited teaching centre for the University of London, meaning that the students will take their degrees from the University of London. And in fact, these degrees are conferred ultimately by the University of London, assessed by the University of London as well. And we are an accredited teaching centre with our own faculty, and we teach the programs in a way which we think is a very good step forward in terms of teaching and learning. Omar. Part of our program, which is really about complementing this knowledge that they gain. Very often in speaking with recruiters and in speaking with young people as well, the common thing that's missing is experience. So our idea is through our double bachelor, which is basically a combination of the bachelor Andrew just spoke about and our own bachelor in business leadership, they will be able to have both the knowledge and the practical skills. So our bachelor in business leadership combines project-based learning and digital skills and personal development. They gain those not by through studying. Now, bear in mind, they will have some workshops and some sessions, but they do that by going out there and actually conducting their own projects. So in the first year in Lisbon, they'll do a social project. So we have students working on women empowerment, on sustainability and topics that have a social value. In the second year, they'll work on a digital project in Paris. And in the third year, they'll work with partner organizations so that they can learn how to collaborate on projects with different partners. Now, the other part of the Bachelor in Business Leadership is the personal development.
And the idea behind this is that they will have sessions, one-on-one sessions, where they discuss with the equivalent of a professor, we call them leadership fellows, how to work on themselves, how to grow, and how to, for example, manage stress, work on their public speaking, negotiation, influence, which are important skills, not just for the workplace. I always say it's also important in life. The third part of our program, which is not really a studying part, it's about how they can really use the fact their university experience to kind of broaden their perspective. And that's why we have the program in three different cities, in Lisbon, Paris, and Amsterdam. And we don't really put them in a campus separated from the city. We really want them to immerse themselves in those cities and learn about the different cultures and learn the languages. So they'll be staying in student residences that we have booked for them. And they will be doing their sessions in the learning center in the city. And we encourage them to do the activities they would normally do, in even sometimes bringing them from school and setting up student clubs, student associations, so that they can really be really interact with the different cultures. So that's our program in a nutshell. There is life after Forward College, after the 3 years which the students will spend with us. They can take two significant pathways. One would be to continue in their higher education journey with higher degrees, a master's degree, or perhaps ultimately a PhD. And these can be taken either at the University of London, or in fact, because they are accredited with the University of London degree, they can also take higher education opportunities in other universities around the world. Providing, of course, that they meet the requirements of those specific universities. The other pathway that they can take is to actually enter the workforce straight away. We are quite confident that when they reach the end of the 3 years with us, they will be prepared for both of these particular strands. They will have in their hands a degree from the University of London, from either of those two campuses, and they will also have in their hands a degree from us, or if they're taking the International Bachelor Plus, they will have certificates for the certain modules that they've chosen to take in that degree program. Now, the thing that is, we think, a great advantage for our students is that they will be combining the theory, if you like, and the discipline that they've taken with the practice, working with our external partners in working in on the projects, as Omar described a moment ago. Now, this will provide them with the experience which is often lacking at the end of tertiary education, and certainly an undergraduate program. Not only will they have the experience of working on projects, local, national, and international, but they will also be working alongside people who ultimately may well become the network providing future employment for them. And you can imagine and understand the possibility of a student working in an area in which he or she is very passionate with an external provider or an external partner, and then ultimately wishing to work for them in an employment situation later on. We're very, very keen at Forward College that we develop the whole student. And I know that's a bit of a catchphrase these days in education, but we do that by making sure that we are addressing multiple intelligences all of the time, not just perhaps the cognitive, but social, emotional, technological, and practical as well. And we also make sure that we value and nurture all of those transferable skills which the students have already gained through their school life, their high school life, in the extracurricular activities that they've been taking part in. So we're very interested in the whole person and what they're going to bring to our college and ultimately will take on from us to the communities in which they live as an adult. The more practical information. So these are our tuition fees. Now, naturally, what we do is we combine in our program, we have the double bachelor, which is when they do the full academic bachelor and the full bachelor in business leadership. We also have the International Bachelor Plus, which is the academic bachelor. And then instead of doing the full bachelor in business leadership, they would do
specific modules in that, and they would graduate with entrepreneurship certificates awarded by us in that in the specific areas, in the specific modules they choose. So naturally, the tuition fees are 12,000 euros for the International Bachelor Plus and 15,000 for the Double Bachelor. We try to make the accommodation costs affordable for students. We understand that this is an important thing, and we make sure that they have their own dedicated student residences to make sure they avoid going through the whole hassle of finding a place. If you've heard European cities nowadays, it's a very difficult challenge to find a suitable accommodation. We don't want that to be a source of stress. And then lastly, we do have offer financial aid, which is part a scholarship that is based on the achievements of the students, and then part is is covered by a loan. Now, this is from a place of that we want to be contributors to the society, and we care about equal opportunity and about giving a chance to people who are achievers but come from disadvantaged backgrounds. So we do offer that, and that's something that we believe in. Now, the students that we look for, as Andrew mentioned, are students that have extracurriculars and engagements, and we really care about those, which is why our process is designed to have conversations and interviews. The application form that's filled in the beginning focuses only on the extracurriculars. It takes only 5 minutes. It's pretty quick. Then we have a conversation with a member of the admissions team and with a current student so that they can also ask questions about how the student life is going, get that kind of perspective. And then afterwards, they upload their transcripts. And from there, they're invited to an interview, which will not be an assessment of what do they know. We can already know that from the transcripts, but will be a sort of a discussion, a back and forth about their extracurriculars, the engagements, the experience they've had. Maybe they've lived in different countries, these sort of things, so that we can have a broad view of whether we're a good fit for a student as well or not. Afterwards, we decide on admissions and we begin the enrollment process. One of the important things, this isn't just a moment, we are only about conversation, and we're about working with people, with parents, with students, with counsellors, and so on. And so we do offer, at the moment, on Thursday evenings at 6 o'clock in the evening, CET, a Q&A session, an information session for anybody who wishes to come. So you can register on our website that way, and we also offer school visits. These are online visits which we will make to present to students and counsellors and even parents at any time convenient to the school as well. Et n'hésitez pas à poser des questions en français. Moi, je peux parler un peu. Okay, thank you very much, both of you. Thank you, Omar. Thank you, Andrew. We had a question. Just to remind you, you can like flash the QR code like displayed on the screen. And we had a question from Sarah asking, can I have a job while I'm studying at the Forward College? The double program is quite challenging in the sense of its time. However, the two programs are very different in their approach. One, you might say, is focusing on cognitive development and the academic program. The other is more practical. And we've balanced that program both weekly or daily, weekly, and across the year. So there is a possibility for students to take a job. They often ask us that in their interviews. And they can take some part-time work. And in fact, we offer in the college some opportunities for the students to earn money through working with us on the programs. Okay. And is it possible to switch from one and the other bachelor? What we do is we have the academic program, the bachelor from the University of London. That is the sort of foundation pillar which all of the students must take. They can, though, take the whole of the Bachelor of Business Leadership in parallel, or they can take modules from that if they don't want to do the whole program. Perfect. And one last question from Damien asking, what visa will I need? And how do I apply for it?
like exactly. To study. That's yep. Omar's territory, so we'll pass to Omar for that one. Sorry? Omar? I guess we lost Omar. Maybe okay. We have like a connection issue. If you can't okay. answer, no worries, I because we are no, sharing your... yeah. Okay, I can answer it, but he answers it in more detail than I will. We do have, of course, students who are coming from outside the EU, so we do have to make sure that they have a possibility for visas. We have partnered in the first instance with another institution in Lisbon, and that institution enables our students to take the visa with them. It's a language school, and in that language school, they will be taking some instruction, of course, in learning Portuguese, and so that allows them to take the visa with them. We have a possibility, the visa, of course, in France, we are a French entity, and we are working now on the Amsterdam connection for the visas for our students. But everything is in place for that to be possible for anyone coming from outside the EU. Perfect. Thank you very much, Andrew. Thank you very much for the opportunity. Bonjour. Thank you. Merci beaucoup. On peut vous retrouver, évidemment, vous pouvez flasher et retrouver les coordonnées de Andrew sur étudierenfrance.us. Merci beaucoup. Alors, pour la suite du programme, on va se retrouver cette semaine. Demain, on a la session 3 des bachelors en école de commerce, midi Eastern Time, 6h en France. Le jeudi, on aura audiovisuel design gaming, les études supérieures pour créatifs et suivi par les écoles d'ingénieurs. Vendredi, ce sera les écoles de cuisine et d'hôtellerie, suivi par une conférence plus générale sur Parcoursup, Campus France, comprendre les procédures pour s'inscrire après son baccalauréat ou ses études à l'étranger en high school. Merci beaucoup, on vous dit à très vite sur French Morning.